dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous nous apprêtons à partir à l'école. Mais d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. Déjà, Anaïs est passée. Elle a fait mes racines. Alors, on a fait mes racines à 23h hier soir, je le précise. Et en fait, après forcément la pause de la coloration, je suis allée me laver les cheveux, je me suis couchée et je me suis réveillée comme ça. Je n'ai fait aucun brushing ce matin. Voilà. Je me suis lavé les cheveux, je les ai séchés, comme ça à l'arrache, hein, et je suis allée me coucher. Et voilà le résultat. À savoir que d'habitude, je passe des 10 minutes, à plus de 10 minutes à me faire des... Bah, soit à lisser pour avoir ça, ou alors à me faire des wavy pour avoir un truc un peu plus mouvementé. Et là, aujourd'hui, rien du tout. Donc voilà, c'était le petit point coiffure du jour. Ah non, tu remets dans le paquet et puis on se dépêche. On va bientôt partir là et en fait on est au complet ce matin, c'est-à-dire que Elsa est là, Anaïs est là et du coup les gars sont là. Anaïs n'a pas cours Elsa n'a pas cours aujourd'hui à cause des grèves et Anaïs n'a pas pu partir parce que en fait elle pensait qu'il y avait grève de bus. Apparemment les bus sont passés quand même et du coup elle voulait partir au CFA en scooter, sauf que là on vient de mettre les pieds dehors et que c'est tellement verglacé que même en voiture ça me fait flipper. Donc en gros, elle, là, elle peut même pas tellement, ça glisse par terre, elle ne peut même pas repousser son scooter dans le garage. Donc c'est hyper dangereux, donc clairement, elle va pas y aller comme ça, j'ai pas envie qu'elle se tue. Hein. Donc du coup, je vais l'emmener, mais je ne pourrai l'emmener qu'à 9h10, je pense, le temps qu'on aille jusqu'au CFA, ça va prendre un petit peu de temps. Donc bah, du coup, Elsa et moi, on avait prévu d'aller passer la matinée, journée, je sais pas trop, sur Cholet. En fait, on va se faire une petite journée mère-fille, pour une fois qu'on en a l'occasion. Et puis, bah, du coup, on va voir ce qu'on va faire, mais on doit acheter une ceinture pour Com, enfin, pour son pantalon que je lui ai acheté hier, là. T'es mère, t'es fille. Je vois pas trop de rapport. Ceci dit, si vous regardez par la fenêtre, on voit bien à quel point la pelouse est blanche, hein, quand même. Hein. Maman, je vais tester la température. C'est quand même... C'est pas fermé, là. Oh, là, là. Ça fait des jours que ma belle vitre, elle est ouverte. Normal. Bah oui, il fait assez froid. Du coup, tout le monde va mettre ses gants ce matin. Son bonnet. Et tu veux son bonnet? Ouais. Non, mais si tu le veux, il est là-haut, je peux aller le chercher, Adam. Maman, mes gants. Oui, tu vas mettre tes gants, mais avant de mettre tes gants, il faut mettre ton cartable. Le pompon? Ouais. Bah, je peux pas enlever le pompon. Bon, allez, on se prépare, on y va, et puis après, on file avec Elsa, emmener Anaïs. Bon, bah, il est 11h45 et on est au McDo. C'est une catastrophe, on revient de la zone de Carrefour et en fait il y a eu une coupure de courant générale, mais pas que dans la zone en fait. Il y a la moitié de Cholet qui a été privée d'électricité, donc là on vient d'arriver au McDo et en fait ils ont aussi été concernés par cette coupure, donc du coup bah, il y a une demi-heure d'attente. Ouais. Elsa elle a hyper envie, elle est trop contente. Bon, je vous reprends, il est midi, on est vendredi. Je vous ai pas pris beaucoup sur la journée de jeudi parce qu'en fait, ça a été un petit peu houleux cette journée. Puisque, en fait, on est parti hier matin, quand on s'est réveillé, Anaïs devait partir normalement en scooter puisqu'elle pensait qu'il y avait grève. Et en fait, les bus sont passés, a priori. Du coup elle prévoyait de partir en scooter, sauf que la route était tellement verglacée qu'il était hors de question qu'elle parte en scooter, donc je me suis engagée à l'emmener à l'école. Donc nous avons déposé les enfants à l'école, nous avons déposé Anaïs au CFA et Elsa et moi, vu qu'Elsa il y avait grève en fait hier et donc elle n'avait pas cours, du coup on a passé la journée toutes les deux. Donc on est parti hier matin faire un petit peu de shopping et puis en fait dans la matinée je me suis rendu compte que on était en fait le 5 et je me suis du coup souvenu que le 5 c'était le jour de mon bilan de formation, un bilan au bout d'un mois en fait, donc je devais me rendre à mon centre de formation pour faire le bilan avec mes référentes et puis voir un petit peu où j'en suis et tout ça. Non, tu ne me mords pas. Donc je voulais voir un petit peu, elle voulait voir un petit peu où j'en suis, quelle candidature j'avais déposée, etc. Alors elle trouve que je suis trop dans les démarches. Elle me dit que je vais m'épuiser en fait si je continue comme ça.
que les candidatures que j'ai déposées, c'est très bien, mais que voilà, il faut pas déposer 3 candidatures par jour, c'est trop. Et puis elle m'expliquait en fait que l'inconvénient quand on dépose plein de candidatures, c'est que si on a plusieurs acceptations, en fait, on n'aura pas le temps de réfléchir pleinement à quelle offre, et on risque de se précipiter vers une offre qui sera pas forcément la meilleure pour nous. Et du coup, elle me dit que c'était pas une bonne démarche de trop, enfin de déposer trop de candidatures en même temps. Elle m'a dit une ou deux par semaine, c'est bien. Elle m'a dit faut pas non plus s'essouffler en fait dans ces démarches-là parce que ça va nous démotiver et c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Puisque moi je n'ai que des refus et du coup j'ai des refus en masse puisque je dépose des candidatures en masse. Et donc c'est un petit peu compliqué psychologiquement. Donc hier en fait j'ai expliqué ce que j'avais déposé comme candidature, quelle démarche j'avais entrepris, le retour de Star People qui était négatif. Là j'ai déposé récemment une candidature dans une autre agence d'intérim en tant que pour un poste de chargée de recrutement. Ils m'ont rappelé en début de semaine en fait, je crois que j'ai déposé ma candidature vendredi il me semble et donc ils m'ont rappelé là en fait avant-hier je crois pour faire le sourcing en fait quand on reçoit des candidatures dans les agences d'intérim, c'est comme ça quand vous postulez à une annonce. En fait, toutes les candidatures qui vont être reçues, les chargés de recrutement sont, chargés de rappeler en fait tous les candidats qui postulent pour faire le point en fait sur les critères qui sont demandés par l'employeur et ceux qui sont remplis par le candidat. Et donc moi, elle m'a contactée, donc je crois que c'était mardi, il me semble, mardi ou mercredi, je ne sais plus. Non, c'était mardi puisque les enfants n'étaient pas là. Et donc, elle m'a demandé comment ça se passe, enfin ce que j'ai fait, ce que je recherche, où j'en suis, machin. Et en fait, il y a eu 2 gros blancs dans la conversation, puisqu'en fait, elle m'a posé des questions et quand j'ai répondu, elle a juste mis très longtemps à répondre en me disant « D'accord ». Je me suis dit « Bon, c'est mort ». Donc, j'avoue que je ne compte pas trop sur ce poste. Mais à côté de ça, j'ai un autre poste dans ma commune. J'en avais parlé, c'est un poste pour travailler en usine, mais à la journée. Et en fait, c'est un petit peu l'idéal pour moi parce que déjà, je n'aurais pas besoin de prendre ma voiture. Et ça, c'est un critère très important pour moi parce que ma voiture, j'arrête pas de le dire, hein, elle est en très mauvais état. Et si je devais travailler à une demi-heure de chez moi, clairement, elle tiendra pas un an. Donc, si je peux aller bosser à pied ou en vélo, j'avoue que pour moi, c'est le top. À pied, ça fait quand même une trotte, mais c'est jouable. Si je peux, j'investirais dans un vélo. Il y en avait plein à Emmaüs, là, j'irai en chercher un. Et du coup, cette candidature-là, en fait, j'ai postulé depuis mardi de la semaine dernière. Donc, la fille m'a dit « Envoyez-moi votre CV, je vous tiens au courant ». Elle m'a jamais rappelé. J'ai rappelé, moi, lundi. Elle me dit, si je vous ai pas rappelé, c'est parce que j'ai pas de nouvelles. D'accord. Elle me dit, mais je vous rappelle avant la fin de la semaine. On est vendredi, j'ai toujours pas de retour. Mais hier, donc quand je suis allée voir mes référentes de formation, j'ai donc parlé de ces 2 candidatures et en fait, ma référente de formation, donc qui gère les relations aux entreprises, connaît parfaitement bien l'entreprise Flo qui se trouve donc sur ma commune et l'agence d'intérim. Dans laquelle j'ai postulé, elle connaît quelqu'un en fait, elle a une amie, c'est du coup quelqu'un d'ordre personnel qu'elle connaît qui travaille dedans et donc elle m'a dit qu'elle allait essayer d'appuyer ma candidature parce que voilà, elle sent que je m'essouffle, elle sent que je suis pas dans une, je vais pas dire pas dans une bonne démarche parce que je suis très motivée à retourner travailler, il y a aucun souci pour ça et vraiment là au jour d'aujourd'hui, j'attends que ça vraiment, même si je vois bien que en fait mon statut d'influenceuse commence à évoluer parce que concrètement ça bouge, hein. Je viens de décrocher ma 3e collaboration hier. J'ai postulé pour une 4e. Alors c'est pour la même marque que la 3e, mais c'est pas le même produit. Donc du coup, je sais pas s'ils vont me l'accorder ou pas. Mais en tout cas,
J'en suis à ma troisième collaboration, donc c'est juste trop bien. Enfin, je suis très contente. Ça, c'est tout ça, ça s'est fait en 3 semaines de temps. C'est juste énorme. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est énorme. Donc, j'espère que ça va continuer. Et en fait, je me suis inscrite sur une plateforme qui s'appelle Ivancy. C'est une application. En fait, j'étais un peu limite pour pouvoir y prétendre parce que je n'avais pas 1000 vues sur mes vidéos et je n'ai pas 2000 abonnés sur YouTube. Et en fait, quand j'ai repris, c'était 1000 abonnés et c'était 1000 vues. Et à partir de, enfin, depuis là, quelques jours, je fais 1000 vues sur mes abonnés, sur mes vidéos. Donc, je suis très contente. Et du coup, je peux prétendre maintenant à recevoir des collaborations sur cette plateforme. Et je suis vraiment ravie parce que, en fait, j'aurais pu en avoir 4, mais il y en a une qu'on m'a soumise. Et comme je pensais ne pas pouvoir y prétendre, je n'ai pas répondu, alors qu'en fait j'aurais pu, et on m'a relancé, donc je me suis dit, bah je vais postuler alors, enfin je vais déposer mon dossier, et donc j'ai proposé mon dossier, et finalement ils ont accepté ma collaboration, mais trop tard car le produit était en rupture de stock, donc du coup je n'ai pas pu le faire, c'était pour travailler avec de la lithothérapie, et moi je suis très convaincue par cette méthode, donc j'aurais été ravie de le faire. Là j'attends en fait une 4e collaboration. Je ne sais pas si elle me sera accordée. Encore une fois, hein, c'est en fait Ivancy me propose des campagnes, donc moi je dépose ou pas mon dossier si je suis intéressée, et ensuite la marque me répond pour me dire si ils acceptent de travailler avec moi ou pas. Donc pour l'instant, je travaille avec Neveo pendant 3 mois. Je travaille, donc c'est le journal familial, j'en ai parlé, mais c'est une collaboration Instagram, donc j'en ai plus parlé sur Instagram. Et je vais en reparler la semaine prochaine puisque j'attends là la réception de mon journal, donc je referai une publication quand j'aurai reçu mon journal. Et j'ai donc une collaboration en cours avec avec Lalalab, donc l'application qui vous permet de développer vos photos. Donc ça, c'est pareil, je devais le tourner aujourd'hui. Je vais essayer de le faire, même si c'est ce soir, je vais essayer de le faire. Et donc là, je viens de décrocher une collaboration. Et encore une fois, en fait, il y a quelque chose qui me faisait peur quand j'ai cherché à devenir influenceuse, c'était qu'on me propose que des trucs qui ne m'intéressent pas, en fait, et qui, du coup, serait difficile à défendre, enfin à vendre, je sais pas comment je peux dire, en faire de la pub quoi. Et au final, pour l'instant, tout ce qui m'est proposé, c'est que des choses que j'adore. Neveo, honnêtement, le concept, je suis grandement fan. Quand j'ai reçu la collab Lalalab, je suis tellement contente. Vous verrez dans la, parce que c'est une collaboration YouTube avec Lalalab, donc je vais tourner ça dans une des vidéos. Honnêtement, je suis trop contente d'avoir mes photos sur papier et c'est trop cool. Du coup, là, la 3e collaboration que j'ai reçue, du coup, hier, c'est Anaka 3. Et alors, Anaka 3, ça va clairement dans mon processus que j'ai entamé là, il y a pas longtemps, de rééquilibrage alimentaire. J'ai perdu 3 kilos. Alors, ça se voit pas physiquement, ça se voit pas. Mais sur la balance, en tout cas, c'est écrit et ça fait du bien à mon moral. Donc, si les produits Anaka 3 peuvent m'aider à accélérer un peu plus... du coup, là, j'ai en fait été acceptée pour les shots. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais Anaka 3 propose des shots à base d'artichauts qui servent de brûle-graisse, etc., enfin, qui accélèrent la perte de poids. Et donc, j'ai un programme de 14 jours que j'attends, d'ailleurs, que je dois recevoir là dans les jours à venir. Et moi, j'ai déposé une autre candidature pour présenter également la crème qui, pareil, sert de brûle-graisse, de raffermisseur de peau, etc. Et donc, du coup, j'attends de savoir s'ils acceptent ma candidature ou pas. Mais en tout cas, ils ont déjà accepté pour les shots, donc la cure de 14 jours. Et je suis vraiment très contente. Donc, si ça peut être comme ça tout le temps et ne recevoir que des collaborations. Après, avec Ivancy, l'avantage, c'est que je choisis, en fait. Moi, ils me proposent toutes les campagnes qui sont en cours. Et moi, je dépose ma candidature là où j'ai envie d'aller, en fait. Donc, je suis contente. Ça me fait vraiment plaisir et j'aime ce que je fais. Et j'espère que ça va continuer à monter parce que je kiffe, en fait.
Donc, et c'est pareil, par rapport à la chaîne YouTube, je me rends compte qu'en fait, les vlogs quotidiens, ça me manque tellement. Je me tâte un petit peu à les reprendre à partir de lundi. Je me laisse le week-end pour y réfléchir parce qu'en fait, ça me manque, vraiment. Le matin, quand je rentre, oui, j'ai des choses à faire, mais j'avais pris cette habitude de faire mon montage vidéo soit le soir, soit le matin. Et ben en fait, j'aimais bien ces soirées-là. C'était des soirées pour moi. C'était du temps où j'avais... J'aime vous publier des photos sur des vidéos sur YouTube, ça c'est clair. Faire des vlogs, j'adore ça. Et du coup, quand je les monte, ben j'ai la satisfaction de me dire, d'attendre vos commentaires, de voir le nombre de vues qu'il y aura. Je vous avoue, je regarde pas trop le nombre de likes, ça me parle pas énormément. Mais c'est plus le nombre de vues et tous les commentaires que vous me laissez, les nouveaux abonnés, tout ça, sont des choses qui m'apportent une grande satisfaction. Et là, évidemment, le fait de publier moins de vidéos, bah forcément, j'ai moins de commentaires, j'ai moins de nouveaux abonnés, j'ai moins de likes, j'ai moins de vues. Enfin, j'ai pas moins de vues, mais elles mettent plus longtemps à venir. Et du coup, ça me manque en fait, vraiment. Les vlogs quotidiens, ça me manque. Donc, est-ce que je reprends les daily vlogs lundi? Ce sera un peu la surprise. Donc, je vais y aller parce que ma copine Emeline va m'attendre. Elle m'a invitée à déjeuner. Je suis très contente d'aller la voir, pour être honnête, parce que ça va me faire du bien de parler d'autre chose que de mes petits soucis quotidiens. Et puis elle a un bébé. Ça va me faire du bien de pouponner un petit peu. Puis de voir mon petit Paul. En fait, Paul, j'ai été son assistante maternelle pendant un an. C'est un des enfants de mes amis qui a... une grande place dans mon cœur, donc j'avoue que ça me fait très plaisir de le voir aujourd'hui, parce que d'habitude quand je viens, c'est toujours quand il est à l'école, donc là on va passer un petit peu de temps ensemble et c'est plutôt chouette. Donc voilà, donc je pars et puis je vous ferai un petit retour, je vais essayer de rentrer avant la sortie de classe des enfants, parce que déjà il faut que j'aille acheter une multiprise, j'ai plus besoin de multiprise, je vais aller brancher mon congèle avant de partir. Et je verrai si avant de rentrer chez moi, je vais chercher des surgelés ou pas. Parce que je veux pas laisser mon congélateur vide. Après, j'ai des choses dans mon frigo que je peux peut-être mettre au congélateur déjà. Parce que j'ai de la viande et j'ai toujours peur de perdre la viande en fait quand je la consomme pas. Bon, je vous reprends dans mon garage. Il est 19h10 et je vais vous montrer. J'ai allumé mon congèle tout à l'heure et regardez. Qu'est-ce qu'on a mis comme produit en premier dans le congélateur? Des glaces! Donc c'est pour ce soir! En fait, on est retourné vite fait chez Super U. Elsa, elle était en conseil de classe ce soir puisqu'elle est déléguée. Et du coup, on devait aller la chercher à 18h. Donc on y est allé. Et en fait, quand j'ai fait les courses, en fait, j'avais vu petit dans les céréales. Ils m'ont vidé la boîte en 2 jours. Enfin non, 3 jours. Et du coup, après, il y a Anaïs aussi qui est venue manger. Donc... enfin, qui est venue dormir, donc elle a pris aussi des céréales. Et du coup, on a été rachetés. Là, ils ont pris une boîte chacun, donc je pense qu'on est large en termes de quantité. Non, tu ramasses. Ils ont posé une boîte dans le couloir et Marceau a shooté dedans. Normal. Marceau, il est dur en ce moment. Hop, j'enlève mon manteau. Du coup, là, comme il est 19h10, on va aller regarder DNA. Et puis ensuite, on va finir les restes alimentaires d'hier. Hier et avant-hier d'ailleurs, parce qu'on a fait une raclette avant-hier et on avait des restes à manger, on les a toujours pas prêts. Donc on va les faire ce soir. Et puis ce soir, le planning, c'est qu'on se couche pas forcément tôt parce que l'activité du calendrier de l'avant aujourd'hui, c'est une soirée jeu de société. Donc on va jouer. Bon, ben on vous reprend à 22h. Ouais. 22h04 exactement. On a couché les gars parce qu'en fait ce soir, c'était donc jeu de société. Et je crois qu'en fait, avec les garçons, c'est pas possible de passer une bonne soirée, en fait. Ils savent pas jouer sans crier, sans... Donc ça a fini par, encore une fois, me rire au nez, forcément. Des ça finit cris, au lit. Des rires, ouais. Tout. Marceau, il faisait que de crier aussi. Ouais, Marceau était très énervé aussi, donc finalement, en même temps, il était 22h, j'avais dit vous jouez jusqu'à 22h. Au final, les gars, ils ont dû monter à peut-être moins le quart. Ouais. Et là, on vient de monter Marceau, et donc Elsa va pas tarder non plus. Du coup, moi, je voulais vous tourner la clôture, je vais la monter, en fait, la charger sur l'ordi, et puis je la mettrai en ligne demain matin. J'avais prévu de le faire ce soir, mais en fait, voilà, je clôture trop tard. Donc...
Bah pour vous faire un petit résumé de la journée, moi j'ai passé une excellente journée avec ma copine Emeline. Ça m'a fait beaucoup de bien en ce moment. C'est vrai que mon moral est pas top et du coup, bah en fait, ouais, j'ai passé un bon moment. J'ai câliné son bébé, ça m'a fait du bien. On a que du chat qui passe, c'est génial. Du coup, qu'est-ce qu'il y a, Père Noël? Tu veux te montrer? On te fait pas assez de pub. Regarde. Ouais, voilà. Voilà, le chat qui ne nous faisait pas de câlins avant. Maintenant, elle dort toutes les nuits avec Elsa. Et maintenant, elle nous colle. Elle est tout le temps collée à nous. C'est un pot de colle. Donc, bon, comme vous avez vu, on a branché le congélateur. Alors, je l'ai pas précisé. Vous allez vous demander d'où il vient, ce congèle. Puisque, en fait, je l'ai acheté chez Emmaüs. Mais en fait, je vous ai pas encore tourné le hall Emmaüs, en fait. Donc, je l'avais tourné, mais en fait, ça allait pas. Enfin, j'aime pas la vidéo. Donc, je vais la refaire. Et du coup, je vous ferai une vidéo, juste un haul, en fait, que je mettrai en ligne lundi. Tu mets la caméra? Quoi? Non, j'ai dit, tu mets la queue en l'air. Bah, tout le temps. Donc, lundi, vous aurez en ligne le haul, donc, Emmaüs et le complément d'Emmaüs, parce que j'ai pas tout trouvé à Emmaüs. Donc, mais on en a trouvé quand même une bonne partie. Qu'est-ce que tu voulais trouver, en fait? Bah, la ceinture de Côme, on n'a pas trouvé. Les chaussures de Côme, on n'avait pas trouvé. Les chaussettes polaires, on n'a pas trouvé. De quoi? Les chaussettes polaires. Non, on n'a pas cherché, en fait. Oui, à Emmaüs, on n'avait pas cherché. Il y avait les gants, on n'a pas trouvé pour tout le monde à Emmaüs. Donc, en fait, on est allé faire un petit tour chez Kiabi. Et du coup, on a trouvé les gants chez Kiabi. On a acheté des chaussettes moumoutes, là, à Elsa. Et en fait, je les ai payées cher, je trouve. Je les ai eues à 5 euros les deux paires chez Kiabi. Et au final, je suis allée chez Action le lendemain et j'en ai racheté deux fois deux paires pour 2 euros les deux paires. Donc, donc en gros, chez Action, j'en ai eu 4 paires pour moins que le prix des deux paires chez Kiabi. Donc, bon... C'est pas que bon, elles sont moins belles aussi, mais quand même, bah, elles sont pratiques. C'est hein. plus, voilà, c'est ça, c'est plus le confort et la chaleur qu'elles apportent qu'autre chose. Donc voilà, je vous fais un petit brief comme ça, mais je reviendrai du coup sur le shopping qu'on a fait entre mercredi et jeudi, puisque du coup mercredi on a fait le shopping Emmaüs et on a fait un petit tour chez Kiabi, mais vraiment très rapide, juste pour les gants. Et les chaussettes. Et du coup, le jeudi, comme on s'est refait une séance shopping avec Elsa pour trouver ce qui nous manquait, en fait. Du coup, je vous ferai tout le haul, enfin, je vais vous la faire en vidéo demain et je vous la mettrai en ligne lundi. Je sais pas si on vous a raconté, mais hier, c'était la galère. Si, j'ai raconté, ouais, qu'il y avait une coupure d'électricité. On a failli dû rentrer à la maison pour après retourner à 14h au rendez-vous de maman. Ouais. Et en plus, à ce rendez-vous, on a failli arriver en retard. On était plutôt très en avance, Père Noël. Bah, on était un peu on a failli arriver en retard. On a failli arriver en retard. Non, ça a été... Parce qu'on s'est perdu dans Cholet. Ouais, en fait, en ce moment, c'est le gros bills. Père Noël! Il faut aller. Elle a envie de jouer, elle attaque, c'est pénible. Elle est morte, ouais. Et du coup, en fait... Non, mais si elle est méchante, tu la viens. Hein. Tant pis. Oh bah si elle essaye de me... Non, mais si elle te fait mal. Non, mais si elle essaye de me mordre. Non, mais là, tu vois, elle te regarde parce que t'es en train de te triturer les pieds, elle va te sauter sur les mains. Bref. Donc, du coup, demain matin, on va se lever pas trop tard parce qu'en fait, Eric vient chercher Adam pour lui offrir son cadeau d'anniversaire. Et normalement, il doit le ramener avant 15h parce que nous, à 15h, on part à Nantes. Donc, ouais, direction le marché de Noël de Nantes. Donc, en fait, on va à Porte de Vertou, en fait, ouais, on retrouve Anne-Sophie. Et ensuite, de Porte de Vertou jusqu'au marché de Noël, on va prendre le tramway. Donc, ouais, c'est génial. Ouais, c'est plutôt cool, je suis très contente. Attends, de où à où on va prendre le tram? Porte de Vertou, j'ai pas regardé. Je vais regarder après les plans du tram et puis les tarifs aussi. Et du coup, ouais, ça va être sympa. Les garçons, ils vont adorer, je pense. J'espère que Marceau va pas être trop fatigué de marcher autant, mais je pense que voilà, ça devrait le faire. Ouais. Donc, de toute façon, après, voilà, le marché, on va pas y rester 6 heures non plus. Quoi. Enfin, déjà, on va arriver à 16h déjà. Donc, si on reste 6 heures, c'est jusqu'à 22h, c'est mort. Non, je pense qu'on va essayer d'y rester 2 heures. Grand max. Ouais,
deux ou trois heures, quoi. Ouais, encore, parce qu'après, le temps qu'on rentre à la maison pour manger, ouais, deux heures. On va dire deux heures, parce qu'après, on a une heure pour rentrer à la maison. Donc, le temps qu'on prend. Je pense vraiment que ça va être chouette. Qu'on il va faire froid. Oui, il va faire froid. Ça, c'est sûr, mais ça va être chouette. Donc, non, on est bien contents. Voilà, bon, cette fois-ci, je clôture parce que vraiment, je suis fatiguée. Faut encore que je monte cette séquence, que je l'enregistre. Et seulement après, je vais monter. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois un bon samedi. Profitez des marchés de Noël. Profitez de toutes les animations qu'il y a autour de chez vous. Profitez de vos temps en famille. La période de Noël, c'est le meilleur moment pour passer du temps en famille. En tout cas, nous, on le privilégie à mort. Surtout avec le chat. Éventuellement. Donc, profitez-en à fond les ballons. Allez, gros bisous tout le monde.